Voilà, j'ai réalisé une petite carte qui vous permettra de brancher des afficheurs ici, donc des afficheurs comme les miens là, voilà, hop, comme ceci, donc de 2 à 6 digits, ou comme celui-ci, donc il y a le connecteur là derrière, hein, voilà, donc ça s'en fiche là comme ça derrière. Et ici vous avez une entrée vers l'Arduino et une sortie vers d'autres modules. On peut enchaîner 8 comme ça pour avoir 6 x 8, 48 digits possibles. Voilà. La carte pourra être fournie en broche femelle ou mâle. Et ici, en connexion coudée. Voilà. Ici coudée ou droite. Hein, donc sortie, voilà, ici je vais vous la brancher. Hop. Donc soit en sortie droite, soit en sortie coudée. Donc là je vais brancher sur le module SIMROCH. Donc là je vais afficher la nav, la fréquence nav sur celui-ci. Hop. Et ici on aura la radio. Je lance MobiFlight. Run. Donc ici j'ai bien la radio et là j'ai la nav. Alors la nav, j'ai découvert, je connaissais pas Arduino, le MobiFlight. J'ai ouvert ici qui manque derrière. Bah les mégahertz, les décimales ici, il manque le 5. Donc tout simplement parce que dans MobiFlight, il faut aller corriger par défaut la fréquence de nav ici. Il faut aller lui demander d'afficher. Il faut faire show preset. Et ici, vous voyez, il affiche en mégahertz. Il faut tout simplement lui demander d'afficher en kilohertz. Ok, et là c'est beaucoup mieux. Vous avez donc de nouveau la décimale qui s'affiche. Voilà. J'ai bien les kilohertz qui s'affichent.